Privés de spectacle pendant 2 ans, les amateurs de théâtre ont réinvesti l'espace Bernard-Marie Coltès à Metz. Le 7 octobre, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour l'ouverture de la saison. Une joie de retrouver les spectateurs, de se dire on a du public, on a des étudiants aussi, parce que du coup les étudiants nous ont cruellement manqué. Autre attrait de la soirée, le concours d'écriture. Le jury a reçu 146 manuscrits, lus avec l'aide d'étudiants en art du spectacle. Les lauréats se produiront au sein d'un centre dramatique national. L'idée de départ, c'est de prendre une phrase de l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, qui est donc le personnage emblématique dont nous portons le nom, et d'écrire. Et aujourd'hui, donc, nous sommes réunis toute la journée pour sélectionner les 5 lauréats. Je suis plutôt très contente des 5 lauréats qu'on a là. J'avais un binôme de textes que j'arrivais vraiment pas à départager et du coup, j'ai même pas forcément eu à choisir au final. Donc ça, c'est très satisfaisant d'un point de vue de lectrice. Les partenaires institutionnels ont salué l'équipe du théâtre pour l'obtention du statut de scène conventionnée d'intérêt national. La soirée s'est terminée par Hamlet à l'impératif et le public n'a pas boudé son plaisir.